le micro, il est là, ça va pas ? Il faut vraiment que vous l'orientez. Si. Ah d'accord, voilà, ouais. Comme ça va mieux. Donc c'est moi qui parle en premier, voilà. Oui, de fait, oui. D'accord. Je sais pas qui a le micro par contre, parce que... Voilà, si tu te lèves, c'est mieux. Ben, ce que j'ai aimé dans la grenouille, c'est quand elle se mettait en Batman, mais à chaque fois, elle était fatiguée de voler, à un moment, l'oiseau, il le prend, et j'adore quand elle tient comme ça. Et pourquoi elle se tient comme ça, alors? Ben, parce qu'elle pouvait voler. Ouais. Ce qui est génial avec les Pichous, c'est que... Ben, en fait, on pose une question, puis ils répondent pas à la question. Moi, c'est souvent, t'as remarqué ça, Laurent, souvent, tu dis, bon, alors, et là, vous avez vu quoi hein, sur un film? Et là, un gars prend le micro et oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est un truc, et ils sont complètement dans leur univers, quoi. Il y a des questions qui sont très, très pertinentes, très pointues, sur un point précis du scénario de l'histoire d'un personnage, ou même sur des questions plus techniques, hein, sur la fabrication des films. Et puis après, il y a des réactions qui sont tout à fait... naïve, innocente, très très belle aussi. Est-ce que vous avez reconnu la musique? Oui. Oui. Qui? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, exactement. Et il y a deux choses, c'est la musique, et puis il y a aussi autre chose qui nous permet de comprendre que c'est Chaplin. Bah, tout simplement, parce qu'il a la démarche, il le mime. Exactement, quand il marche. C'est un peu le principe de l'éducation, enfin de l'enseignement, c'est de dire des choses, on sait qu'elles vont être redites par la suite et qu'à un moment donné, ça va éveiller ou susciter quelque chose, et que ça ne se fait jamais en une fois, quoi. Donc là, commencer très tôt avec des écoles primaires, ça permet déjà de leur donner une ouverture, une première lecture, une première compréhension, quoi. Pour nous, la chose importante, c'est de pouvoir se donner les moyens ou avoir les moyens. Voilà, de poursuivre ça par des ateliers, par exemple, des choses comme ça. Bon, il y a une chose au niveau des un peu plus grands. Donc, je reviens à la séance cours d'école. L'idée de cours d'école, ça a été de proposer au public des films réalisés dans le cadre des options cinéma, dans le cadre du travail scolaire. Et c'est une manière de valoriser le travail des élèves. De ce qu'ils savent faire devant un vrai public. Cette année encore, on a décidé de présenter un des courts-métrages qui était dans cours d'école à la soirée de clôture. Et ça, je crois que pour les élèves, c'est particulièrement gratifiant, pour les profs qui les encadrent également. Et pour nous aussi, c'est une manière de mettre à l'honneur un boulot qui est fait. Le festival, effectivement, c'est une compétition, ce sont des professionnels, mais aussi c'est notre rôle de passeur. Et ça, c'est vraiment, je crois que l'avenir du festival passe aussi par là, et l'avenir du court-métrage et de plein de choses. Donc tous les ans, on a tous nos élèves qui viennent du mercredi au samedi après-midi pour assister à l'ensemble des compétitions, et depuis 2-3 ans, au cours d'école, qui a lieu le mercredi après-midi, et qui est une belle manifestation puisqu'elle permet aux élèves de montrer leurs films et de dire quelques mots avec un réalisateur confirmé sur ce qu'il a pensé de leur film. Dans l'échange avec les élèves, les lycéens, ce qui était très riche, c'était d'une part de voir comment ils se sont appropriés la forme courte et comment ils l'ont utilisée avec des formes très variées, des scénarios très différents, et comment ils se sont joués des contraintes qu'on leur avait imposées dans leur atelier. Ça m'a beaucoup intéressé, et c'est très enrichissant aussi pour un réalisateur, parce que ça rafraîchit. Là, cette année, la contrainte qu'on a proposée aux élèves, enfin, c'est une contrainte qui est en réalité une proposition de travail, hein. Donc, la contrainte, c'était poupée Barbie. Et donc, poupée Barbie, ils étaient absolument libres de le faire comme ils voulaient. Donc, on a décidé, avec mon équipe, on était quatre, de faire un film sur une mère qui veut que sa fille soit le prototype de la Barbie. Et en fait, la fille... un peu plus, et éclate, et au moment qu'elle éclate, on se rend compte que le fils a récupéré toutes les icônes de la Barbie. Et je vais devenir encore plus blonde, c'est génial. Allez, bon, à plus. À bientôt. Salut. Même que depuis, elle reste toujours chez elle. Allez, pique à ma mère, vous laisse. Bisous. Oui, c'est bon. Je peux...
je t'emmène là, je te dépose, mais je pourrais pas rester avec toi, j'ai un empêchement. Donc, on sent déjà qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et moi, c'est ça qui me touche le plus, parce que je crois que de nos jours, ce qui est nécessaire pour créer, c'est la passion même de créer et l'exigence, en fait. Et je trouve qu'ils ont un niveau d'exigence qui est vraiment assez élevé et qui est prometteur, quoi. Ouais. Donc, je m'appelle Mélissa Rabahi, je suis une ancienne élève du lycée Maurice Genevoix. Et donc, je suis venue ici en tant que jeune réalisatrice. Car l'année dernière, lors d'une option facultative, j'ai fait un film. Un train, des paysages, des rails. Tu pars, mais surtout pas au hasard. Tu pars pour oublier qui tu es. Ce voyage, ces voyageurs qui se sentent mal et qui rament. Leur tête pensive, parfois précise, mais souvent indécise. Des regards avec tant de hantise. Se sont sous une emprise. Ce film a été présenté lors de l'option facultative 2007-2008. Et c'est un film qui me tient à cœur parce que c'est un film qui me correspond. C'est un film avec un texte que j'ai écrit qui est autobiographique, qui caractérise un petit peu mon état de pensée, qui caractérise aussi un petit peu mes occupations parce que le train, le voyage, c'est des choses que j'affectionne énormément. Et donc je suis fière de ce film et je suis fière d'être ici aujourd'hui et d'avoir participé à cette expérience. Moi, je m'appelle Anaïs Boumbe. J'étais aussi au lycée Maurice Genevoix. J'ai fait ce film Nos amis les jeunes, c'est un documentaire fictionnel dans le cadre de l'option obligatoire. Tous des petits cons, ce sont de vrais animaux. De vrais animaux. Vers 16-17 ans, son corps se couvre de longs poils. À cet âge, c'est un individu très impressionnant, mesurant jusqu'à 1m80. Les seuls contacts sociaux que les jeunes ont sont les forces de l'ordre et le corps enseignant. Il est donc facile de comprendre leur peur initiale et leur appréhension. Je voulais dénoncer les clichés. Comment les personnes plus âgées voient les jeunes d'aujourd'hui, on va dire. Et c'est un cycle perpétuel parce que c'est un cycle qui dure depuis longtemps. C'est toujours pareil, toujours la même chose, voilà. Et puis on a voulu le faire avec les animaux pour encore plus... caricaturer les choses. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'on n'est vraiment pas dans la même génération. Il y a deux mondes, ils ont un langage, ils ont une vision des choses, elle est très fine, elle est très intelligente, et il y a des moments, je me dis qu'on est vraiment des vieux cons. Et c'est très riche de s'en apercevoir, ça permet de réajuster notre manière de travailler quand on est prof. Je trouve qu'ils ont un regard très fin. Ils savent pas le dire avec les mots, ils maîtrisent pas très bien l'écriture, mais avec une caméra, ils arrivent à nous donner des leçons. Et c'est très frais, c'est très rassurant, voir que la relève est prise. En terminale, notre spécificité, c'est de faire depuis donc 15 ans des films 16 mm de 6 à 8 minutes, noir et blanc, muet, avec l'idée qu'ils vont à la fois écrire le scénario eux-mêmes, encadré bien sûr par un intervenant, mais aussi participer à toutes les étapes de la fabrication du film de manière assez autonome, bien qu'ils soient encadrés. Il y a vraiment cette notion qui est fondamentale pour moi, c'est celle d'échange. C'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'adulte, enseignant, professionnel, quel que soit le statut, et on donne des choses, des connaissances, des envies. Et surtout, il ne faut jamais oublier qu'on doit recevoir aussi autre chose, quoi. Justement, des émotions, des avis, et que, une autre façon de voir les choses aussi. Et moi, j'adore vraiment, en plus, vraiment pour les enfants, c'est vraiment... un vrai bonheur parce que c'est toujours sincère. C'est pour ça que j'ai sincérité et naïveté en même temps, parce que ça fonctionne de pair, quoi. Et il y a toujours un retour, et ce retour, quand on l'accepte, en fait, il n'y a pas mieux, quoi. Dans l'échange aussi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que moi, me mettant en position de entre guillemets, de critiquer leur travail ou de faire des remarques sur leur travail, du coup,
il a émané d'eux également des critiques et des commentaires sur le mien. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant d'avoir d'autres commentaires que des commentaires d'adultes, je dirais, de gens déjà qui ont une réflexion beaucoup plus longue sur le cinéma, sur les films, voilà. Ça permet d'expérimenter une relation peut-être plus directe, plus spontanée à ce qu'on fait. Et je crois que c'est ça, le rôle d'un festival, c'est de tisser des liens dans plein de directions. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais je crois que notre travail, il est là. Après, il y a ceux qui vont poursuivre, ceux qui vont lâcher. Mais notre boulot, il est là, quoi. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait de se libérer, en fait, de mettre en place, de mettre en œuvre des choses qu'on a au fond de nous grâce à des outils qu'on nous donne et grâce à des outils qui nous ont permis d'ailleurs d'avoir notre bac en grande partie. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir parler de ce qu'on veut, comme on veut, de la manière qu'on veut à des gens et voilà, c'est tout. On peut dire ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas, c'est ça aussi, voilà. Bon, le cinéma, c'est un regard sur le monde qui nous entoure et on cherche à leur faire regarder le monde qui nous entoure. Donc le cinéma, c'est un outil, ça leur permet de s'exprimer, ça leur permet d'essayer de comprendre ce qu'il y a autour d'eux. Je pense qu'on fait un travail à long terme d'éducation du citoyen à l'image et au cinéma en particulier. On a une exigence de type de film, de qualité d'approche des sujets à montrer aux enfants. Et je suis persuadé que les enfants peuvent voir beaucoup de choses. Bon, on ne peut pas leur montrer n'importe quoi, mais ils sont capables de comprendre énormément de choses. Bon, l'un des exemples, c'est Ben Desira, qui est un film qui est non sous-titré, où il y a des dialogues dont on peut se passer, mais qui fonctionnent beaucoup avec l'image, et ça n'a pas gêné une seconde les enfants. Il y a quelque chose de frappant chez les enfants, c'est que c'est un public hyper réactif, que par exemple ils applaudissent après chaque court-métrage, ils rient quand il faut rire, ils ouvrent grand les yeux quand il faut ouvrir grand les yeux, enfin ils sont très réactifs, ils sont acteurs de ce qu'ils sont en train de vivre. Et le rêve, c'est quand même de faire de ce public enfant un public qui plus tard continuera cette spontanéité là. Ouais.